Nous passons ici au suivant slide, nous pouvons commencer. Can we move to the next slide, please? Thank you. Okay, welcome everybody, and Merci, thank you so much bienvenue à for tous. joining. Merci tellement d'être présents. The Emergency Preparedness and La Response Review of Missed Readiness review Assessment Insights and Dialogues on Emergency MRA Preparedness Implementation. Review va être faite maintenant, va être enregistrée. This is the second webinar in the EPR C'est le series. second webinar dans la Just a série reminder EPR. that this Vous vous webinar is rappelez being que recorded, and on there est en will train be future d'enregistrer ce webinar We et il can't y see your aura. screen, and we're also hearing French on the English channel, says the chat. Right. Okay, perfect. Now we can see the screen, but we are hearing the French right after. Okay, hopefully it should be fixed now. And yes, as noted on the screen, you can see if you need to navigate to the French channel, Si vous naviguez go to the au canal interpretation français, vous pouvez aller interpreting à icon, which interprétation. will Si be vous ne voyez under pas en the bas de more votre écran, category, il est dans la click the little globe for catégorie More. Il y interpretation a un and you can choose globe between the pour English and interprétation. Vous French. pouvez choisir anglais Again, this webinar will be recorded ou français. and slides will be available after Et the le event webinar va on our être website. rapporté et il y aura des And please, transparences as we go through disponibles the après sur presentations, votre feel free to website. insert your Et questions into the chat si vous at voulez any point insérer in vos time questions dans again, le chat, we si can nous avons le discuss this temps, as well. nous allons aussi Next discuter slide. cela. Suivante. Okay, so I am going to Maintenant, introduce je Nazim vais Talbi. présenter She is Nazim the Global Talbi. Emergency Elle Preparedness and est la Response Consultant consultante for pour MP Global Emergency 2030 and has Preparedness and over 15 Response. years of experience at Plus de global, 15 ans regional, and national d'expérience levels on SRH à chain tout of incidents niveau and the need for dans cloud les preparedness urgences strategies as key et to les dealing with stratégies COVID. de She leads the préparation et MP24 création Global de EPR ressources. work and has Elle a extensive knowledge and travaillé, elle experience on the connaît Missed bien, Readiness elle a beaucoup Assessment, d'expérience and en she is one of the Readiness lead authors on Assessment the et tool. elle était Now un she's going leader to pour provide a cet quick outil. Elle va nous overview of donner the Missed un Readiness aperçu Assessment, and then de she'll cette be évaluation in charge of et puis elle hosting sera a à quiz night with charge different de faire panelists une to take on the question-réponse challenge of avec different les country panélistes pour experiences. en Get back to parler me. sur ce sujet des Thank you. Thank you expériences very de much, différents pays. Sarah. Thank you for all the participants to this webinar. And yeah, so before Fin de ce actually welcoming webinar our esteemed et panelists, please let me maintenant, quickly je donne la bienvenue aux provide panélistes. Si the je peux vous global overview donner of the Missed rapidement un Readiness Assessment aperçu de ce field, que how veut it is dire structured, and the key Readiness themes to Assessment achieve, and et then we will have the quelle est opportunity to learn l'intention. from Et puis, nous aurons experiences in three l'opportunité different d'apprendre countries des involved. expériences de trois différents pays. So, as you know, this webinar is a Comme vous le series savez, specifically cette talking about série preparedness and why regarde additional panelists will be Preparedness. needed. Et And the pourquoi est-ce qu'on a reason besoin having d'être to cope with an préparé? emergency is very Quand il y a une complex. urgence, Volumes c'est do look tellement world and important vulnerabilities are everywhere. dans toutes les This has régions, dans also toutes been les recently highlighted vulnérabilités, since the et c'est COVID-19. une préoccupation en Increasing général. vulnerability and risk that La changes vulnérabilité overall pour les outlook. pays, Climate change, the effects of changement global du hazards, climat, conflict, changement de pandemic l'habitat, disproportionately affect women and girls ça and affecte exacerbate énormément les femmes, les vulnerability to changements implosion. d'environnement. Et Women ça leur will be rend plus particularly exposed to susceptibles. some form of Elles crisis sont and often susceptibles suffer à simultaneous beaucoup crises. So de in addition, crises. as well, many of these En countries face addition, protracted les pays situations ont des or are in situations fragile sectors. durables. So in such contexts, it is really Dans ces important to contextes, know c'est about the vraiment important magnitude de of SRH connaître la and its magnitude vulnerability. de ce So qu'on a during besoin emergency, dans une protection urgence. services, Les services de protection protection equipment d'urgence and service delivery mechanisms et les such as cars mécanismes and de heavy livraison vehicles can et be la police et disrupted. les pompiers, tout Communication ça, on peut systems les and protection contacter mechanisms may et il y a des collapse mécanismes because de protection, mais SRH tout needs ça peut continue collapser. and may even increase. Et on peut And for continuer instance, à pregnant avoir des women with besoins. Et les femmes life-threatening engrossées complications ont des without access to complications delivery and sans medical accès services. à des Healthcare services services. pour Women elles. and girls may Et also les need femmes et less les flexible filles planning ont aussi des services, problèmes de treatment planning methods of familial. extended pregnancies Et alors, il y versus aura traditional des care, grossesses and non they become also voulues. more vulnerable to Et domestic aussi, elles sont violence plus and sexual vulnérables violence à la and violence exploitation. sexuelle et l'exploitation. Statistics show that it is estimated that of any On health estime crisis affected qu'une population, population affectée par une 25% crise, face failure 25% of sont pregnancy. âge de At grossesse. any time,
Et à un moment donné, Okay. 4% d'une population déplacée ou affectée par un désastre sera enceinte. 15% de ces femmes auront des complications relationnées à la grossesse. Alors, deux tiers de toutes les morts prévenibles et 45 des morts des nouveau-nés se donnent dans des pays affectés par des conflits, des désastres ou des deux choses. Les désastres, le changement du climat et les autres événements qui affectent le bien-être des gens. Alors, il faut que le pays puisse communiquer bien et répondre rapidement à ces urgences et ces crises. Avant de voir l'évaluation de disposition, il faut simplement voir. Alors, To know what it means to respond to SRH needs during emergencies, there is an internationally recognized minimum gold standard for il y a SRH un minimum exposure. gold standard It's called the international MIST. The MIST qui stands s'appelle for le the MID. Minimum Initial C'est Service, MIST, for Minimum Single Initial Public Health Insurance. Service minimum pour For la those of you that are less prévenir la familiar with the mobilité MIST, et la it is a disabilité. collection of Bon, c'est life-saving une mutual collection assistance to d'actions personnes with minimum severe pour medical sauver la vie disabilities. qu'il faut When mettre there en is œuvre less quand il y a des crises disability et quand les services, services ne sont pas they are minimal. disponibles. So C'est le really, minimum more absolu. comprehensive services should be critical. Et on a And besoin even de for those services without plus insurance, that compliqués, mais service on ne should les a be pas. available at the onset of the need. Mais So ce que doit I être agree that disponible SRH au should début be d'une given a crise. national standard. Et ça, c'est un The MIST standard international. objectives that are really Alors, il y a defined six is points là, prevent and manage the conçus consequences pour of pouvoir disability, ménager les prevent conflits et excess les maternal problèmes newborn morbidity and et pour mortality, aider reduce et HIV réduire la transmission and mobilité et mortalité des transmission of nouveau-nés, child, réduire also prevent VIH unintended et pregnancies. prévenir And the idea is really to les grasp grossesses non comprehensive risk voulues that could et possibly exist in the empêcher early days of future unemployment. les Next grossesses slide. de toute façon dans les So now premiers let's jours. look at for Mais the on MIST va readiness voir assessment. So if you look l'évaluation at de every country around disposition the de world with readiness. some form of Les pays crisis, ont toujours des readiness for SRH is different. vulnérabilités face aux So crises. what the MIST readiness assessment focuses Mais on dans cette is what does this évaluation, really nous mean to voulons be voir ce que ready? qu'est-ce How que do we ça veut know dire if a d'être country is prêt, ready? d'être You can imagine disposé à être if the ready. emergency Si un pays est scenario is vraiment known, prêt what is à prepared? And what is already pouvoir in faire face place à to une treat the urgence, family in terms et of qu'est-ce qu'il y a preparation, déjà dans le pays disaster risk management en measures, tant and what qu'installation et supports have been part préparation of et treatment. capacité, et We know quelles that having capacités manquent. capacity, building Nous savons que capacity, les assessing construire la capacity capacité, évaluer needs la to be done capacité prior to existante, an il faut le emergency, faire avant often once un there is a désastre crisis parce que scenario, quand la there crise may be survient, time il n'y actually a to pas de complete the temps assessment pour pouvoir vraiment exercise. évaluer. So the MIST readiness assessment Alors, le helps us MIST, to estimate évaluation de exactly the readiness, level essaye of de preparedness comprendre et voir effectiveness rapidement situation is quelle est on la national versus préparation au regional niveau level national ou and how to assess subnational the et comment country est-ce que that is ready to si un pays est implement vraiment measures at the time préparé of an pour emergency. pouvoir répondre à And des that's any urgences, type of emergency. So it n'importe really quel uses a type multi-step d'urgence, approach. c'est toutes les Survival really urgences. to be seen as a Il process. faut voir So ça this comme is un just a procès. starting point. Ça, c'est Evacuation seulement is un readiness point assessment. And this d'initiation. is a process that C'est helps un provide a kind procès of snapshot qui of nous where donne we are une as a photo de où people nous sommes à un and moment measures donné et structured where they are initier at un already. travail structuré pour So it really préparer. has to be seen as Alors, il something that faut voir initiates ça comme preparation quelque and chose readiness qui work. This initie, calls qui for commence le multi-step travail. kind of process, Alors, il and faut it also voir, calls c'est un for procès de involvement of different beaucoup organizations, d'intéressés, finance, beaucoup health, high-quality d'agences, beaucoup procurement, d'organisations, presidencies, gouvernements, non-agencies, ONU, community-based organizations, and communauté, tout le monde participe ici, next slide. secteur privé, tout le monde. So, as I said, it provides an Alors, comme j'ai dit, overview ça nous donne une vue also générale, un overview of aperçu what your current preparedness de quelle est situation votre is situation during de stable times. So as I said, préparation for all of this actuelle. to be during stable times, that Parce is que essential. moment If we stable, stop during emergencies, c'est if we une chose, think mais that quand during il y a une stable urgence, times c'est autre there are chose. already gaps, Il y a it déjà means des trous. the chances that Même dans emergency le is moment called normal, before the ça va emergency être are plus really grave critical. quand il y a une So what the MIST urgence. readiness assessment Alors, le really looks MIST at as the Readiness MIST is Assessment looking to get regarde an overview, to get an overview en what are the MIST aperçu policy pour voir environment, la what are the qualité coordination des services, mechanisms that quels are sont les mécanismes necessary, de what data coordination, are being quelles collected, what is données on est en available, train de what recueillir, qu'est-ce qui est resources are disponible, available, quelles and ressources for sont services disponibles, currently sourced, financières mais aussi how our humaines, et services comment est la services livraison are des actually services being delivered. autour de So it really helps to identify MISP. gaps and Alors, il faut determine vraiment who or identifier how les to trous prioritize et aussi systems où on est and fort. help formulate
aider à formuler des recommandations et à coordonner les demandes de advocacy, de défense. Alors, comment fonctionne ça? C'est un process et il y a trois points. Il faut faire un questionnaire, il faut remplir, identifier ce qui est fort et ce qui est faible, comprendre le contexte, voir tous les éléments que j'ai déjà mentionnés pour voir qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible et comprendre vraiment le contexte actuel. Le second point, c'est un plan d'action priorisé, accorder un plan d'action joint MISP, identifier les sources et développer un plan d'action avec les partenaires qui participent dans le procès pour voir quelles sont les activités de priorité qu'il faut mettre en cause pour pouvoir renforcer la planification pour urgence. Et après, c'est la mise en œuvre de ça, c'est implementation après avoir évalué, il faut mettre en œuvre le Preparedness Action Plan. Je veux seulement donner rapidement, je ne veux pas mettre de détails ici, mais la question ici est structurée dans différentes sections. D'une part, il faut voir en général quelle est la préparation générale pour la coordination, pour les données, pour les politiques, pour les ressources. Après, une seconde section où on voit vraiment des services relationnés à MISP directement. Et là, c'est voir comment est-ce que le service se livre. Et s'il faut continuer à les livrer comme ça ou faire des changements. Maintenant, ce que nous voulons, c'est profiter de ce webinaire pour écouter les expériences des pays même. Et je suis très content de faciliter un chat ici avec nos panélistes. Merci. Et nous pourrons alors apprendre de trois différents contextes et nous commencerons avec l'expérience Eastern Europe, Central Asia, Eastern Southern Africa et après Nigeria. Nous avons déjà nos panélistes, ils sont avec nous. Je commence avec l'expérience d'Asie centrale. Nous avons ici un médecin, Luna Marion Meren. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Elle est une partie de USPA, équipe humanitaire en Europe orientale et Asie centrale. Et elle est spécialiste en urgence régionale. Dr. Evelyn Michael, gynécologiste, aussi santé reproductive, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Elle a plus de 20 années d'expérience dans la question reproduction et elle a travaillé en Afrique, Asie, sur Amérique du Sud, et Asie centrale et Europe. Elle a une très grande, large expérience. Je veux commencer vous demander pour votre région, c'est l'Asie centrale, et comment la préparation là. Nous avons déjà fait des revues en 23, en 17 et en 23. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que l'évaluation de readiness, d'être prêt, a aidé pour renforcer les systèmes et les services disponibles dans les moments stables et aussi dans les urgences? Merci pour cette présentation. Merci pour m'avoir invité. Comme vous le dites, en effet, Europe centrale, Asie centrale, c'est la première région où on a fait le Readiness Assessment MISP et c'est intéressant de regarder un peu l'histoire et comment a été l'évolution. Comme vous le savez, il y a eu au début l'idée que c'est une région forte, on n'a pas besoin de faire trop pour voir les préparations d'urgence parce que nos pays ont déjà des systèmes avancés et stables de santé et peuvent s'occuper de ça. Mais nous avons fait une enquête en 2012 pour voir si la chose allait fonctionner et nous avons appris. I just continue. You let me know. I can hear you just fine, actually. Zooms.
Perfect. So in this mapping, it actually Alors, on a shows fait un the mapping et depths ça nous a montré not que really the understanding of why the il n'y avait pas une SIHPRO compréhension was complète de actually pourquoi needed, le especially from service the d'urgence Canadian était audience. So this is when nécessaire. the Miss Readiness Et Assessment alors, c'est là où le tool Miss was Readiness developed in Assessment, l'outil, a été 2014. The développé en first assessment tool 2014. was built. La première Since that, évaluation a it été was faite every et à 4 partir de years là, c'était an assessment. chaque So we've quatre already années, on a made fait une improvements évaluation. in Nous avons 2014 and déjà fait 2015. trois. La We're actually finding that it's still working. 2021 et la prochaine Coming to viendra your l'année question, prochaine. what happened Votre throughout question, these qu'est-ce qui s'est years donné durant is ces that you années? can see On peut overall voir qu'en improvements in général, planning process, on a planning renforcé la preparation, and préparation, mais assessment. on avait You besoin can de nous see that préparer. it's On quite pouvait slow. voir Normally, the qu'il y avait framework right now in the last des normes assez context, fortes, the assessment in d'encadrement 2021 was de not normes there assez in the framework forts, in qui n'étaient 2014. pas là au début, il y a 10 ans. So huge improvement Alors, in c'était une assessment immense planning process, amélioration dans and l'engagement also des huge intéressés, improvements dans le in planning système de overall, coordination, so all that de understanding of joindre who's tous les supporting them, intéressés et but comprendre also qu'il in fallait vraiment travailler capturing ensemble public rapidement preparedness et feedback aussi that we need to comprendre quelle have est ready la capacity to préparation et support comment all of these construire la crises so we can capacité deploy avant les crises, resources quickly when avant needed. que les ressources However, it also showed the systems and s'employer. challenges, On a, as you outlined as well, et comme vous avez montré, the areas of data. il y a des data Human collection, alors les financial données, resources, c'est skill encore workers difficile, talent, l'histoire des resource données. mobilization is Et challenging, mobilisation de estimate ressources, c'est time, difficile. resource restrained environments Et is definitely not dans improving either. l'environnement maintenant, ce n'est pas And en train in trade d'améliorer. finance, the Et nous avons supply des défis availability. pour We've had a lot of l'approvisionnement, pour la discussions about disponibilité, beaucoup de the discussions, importance, the discussions importance sur. of repositioning versus like the supply availability and the onset of La a crisis. disposition I wanted to des highlight the ressources. Eastern Et il faut European countries, souligner que two les pays of de the cette so-called région, quarantine countries. ces Most of these 17 countries are pays, quite la small plupart des pays compared sont to assez other petits si regions, vous les comparez actually. dans d'autres Average régions. countries have like 1 to 3 Il y or a des 5 pays qui million sont 1 people. ou 3, 4, So 5 millions de when I'm referring personnes. to Quand prepositioning je supply, dis we de have the risk of voir supply l'approvisionnement, là, il y continuity a un issues problème de and availability mettre en issues. œuvre l'approvisionnement dans les pays, mais les When pays their petits, resources are parfois, scattered n'ont about pas les Europe, ressources it gives them disponibles less eux-mêmes. chances of Et repositioning. So alors, that's in general, I think we en saw général, ça, c'est overall ce que improvements nous avons vu, both in immense avance the understanding dans of la that impact, the compréhension des addition of urgences, millions dans of la préparation, mais il people. faut Now encore that's really travailler interesting, beaucoup. and it's C'est interesting bien to hear from intéressant et you intéressant de voir where de votre both région a new où c'était pioneer le actually début, vous étiez les was with pionniers the Miss Readiness pour Assessment. le I Miss forgot to say during Readiness my Assessment. presentation J'ai that oublié de dire Miss que Readiness le Assessment, Miss since that had been conducted Assessment, in many, ils ont many été faits countries. dans plusieurs pays, beaucoup de So pays some of the countries nombreux. that you said that Et you have a quite vous strong avez impact on what une région happened. Which forte countries pour do you think commencer, that mais have experienced beaucoup de vos crises pays quite ont eu des recently, urgences et des crises récentes. so Et nous Ukraine, there was the connaissons l'Ukraine, refugee les réfugiés, route that was used through la the route Balkan des route, réfugiés par etc. les But Balkans then also lots of 2016. countries are Mais facing actually aussi, il y a financial, aussi regular difficulties, des and problèmes natural disasters. So do you think that the fact that de these countries have réglementation. conducted Est-ce Miss que ces Readiness pays ont Assessment, fait do you des think that Miss Readiness contributes Assessment? somehow to Ça a improve or contribué à improve améliorer resilience if leur shocks occur? capacité If these de countries répondre show aux chocs experience a ou si difference les compared pays to previous sont différents emergencies, comparés à des as far urgences as when looking at speed of avant delivery ça? or quality of Est-ce care, qu'on a the pu readiness vraiment and faire Miss des bonnes Preparedness for new interventions emergencies avec before Miss, and quand on during? a investi plus en Miss Yeah, Preparedness? this is a Ça a eu very un effet interesting question. positif ou non? Oui, Now c'est again, intéressant la we question, je have crois, about 17 que nous countries avons with parlé de different backgrounds 17 and pays, experiences chacun est and différent et unique history. avec des histoires It's différentes. amazing Avant really la the guerre lack of that d'Ukraine, understanding of on ne comprenait communication pas and tellement comment était le readiness assessment. sentiment. There was some La région n'avait interest pas le that things sentiment would be better, but then devoir être préparée que after certains pays, oui. Oslo, Mais après la all guerre the d'Ukraine, maintenant, on a governments compris partout qu'il and fallait être préparé pour looking les then to urgences. what did the Et Miss on a vu ce que Assessment le MISP contribute to Assessment a better response contribué response, à but renforcer some la countries réponse. attribute this. So some countries On peut said attribuer des training choses. Il y a des only pays qui ont vu assessment y a early aucune on. attribution Other countries had à migration MISP. movements, Certains and then pays there ont eu was des migrations. Ils ont in dit, aid
Ça n'a pas vraiment contribué énormément à ce que nous avons expérimenté. Autres pays ont dit que le ministère de Santé n'a pas vraiment travaillé fortement sur cette évaluation, ni le plan d'action, ni la suivi de la mise en œuvre, mais d'autres, c'est des cas très bons. Et en Ukraine, on nous a dit que ça leur a aidé pour mettre en œuvre que les objectifs de MISP étaient au moins adressés au niveau national et régional. Avec MISP Readiness Assessment, ça leur a aidé à entraîner et à faire conscient tout le monde avant le début de la guerre. Et maintenant, ils emploient le plan d'action qui appuie la réponse pour les zones de guerre de l'Ukraine. Là, très positif et très, très bonne réponse de l'Arménie aussi. Là, il y a eu 100 000 personnes sont venues de Karabakh et ont été obligées de partir d'Azerbaïdjan, sont parties en Arménie. Arménie, le bureau de pays nous a dit que MISP Readiness Assessment aura aidé énormément à s'assurer qu'ils avaient l'entraînement de capacité avant l'arrivée de ce monde et qu'ils avaient des positions déjà préparées et ils ont des collaborations avec les partenaires étaient en fonctionnement avant la crise. Donc là, ça a eu un impact très positif pour répondre à la crise. La préparation générale à Kazakhstan, on a dit que, en fait, le Readiness Assessment en l'année 2021 a aidé à préparer les discussions et les documents. Alors, ils étaient préparés, ils avaient déjà une évaluation qui intégrait les résultats dans les politiques de certains pays. Merci, c'est intéressant. Et quand on voit MISP Readiness Assessment, c'est aussi un procès, c'est aussi être capable d'identifier les petits éléments qui vont aider en réalité à aider. Nous savons qu'améliorer le tout prend plus de temps qu'il y a encore beaucoup d'advocacy nécessaire. Mais un des résultats de MISP Readiness Assessment est le développement de ces plans d'action priorisés et pour la préparation, pour les risques. Est-ce que vous êtes en train de suivre l'implémentation, la mise en œuvre de ces plans d'action? Est-ce que les pays évaluent s'ils ont vraiment fait une différence? Nous savons que dans les évaluations est complexe, nous savons que les gens préfèrent évaluer les plans d'action en implémentation, mais qu'est-ce que votre région vous dit sur l'évaluation en terrain? Et l'évaluation de tous les pays. Alors, oui, à un moment donné, tous les pays ont été évalués, mais pas tous les pays dans chaque occasion. La dernière occasion, l'Ukraine était déjà en guerre, ils n'ont pas fait l'utile, ils n'ont pas employé en 2021, mais ils avaient fait en années 14 et 16 et 17. Alors, tous les pays connaissent la terminologie, mais il y a des Kosovo est un territoire, a aussi fait une évaluation, d'accord, à ce même temps. C'est un point, une note, mais feedback que nous avons reçu de l'équipe de terrain en Kosovo, la langue n'était pas toujours la correcte pour s'adresser à leurs besoins de territoire parce qu'ils ne sont pas un État. Alors, certaines choses nous avons éloignées de faire les évaluations ou faire des plans d'action. C'était des territoires et pas des pays. Il faut signaler ça. En général, les pays ont été demandés de développer avec les intéressés un plan d'action et après faire une suivi. Et il y a eu des réunions européennes avant iWork et il y a eu une réunion, on a regardé les programmes et la mise en œuvre. La iWork régionale ne se donne plus maintenant, maintenant c'est moins centralisé et on est moins encouragé à faire une suivi au plan d'action. La plupart de nos équipes de pays ont l'instruction de faire une suivi sur les plans d'action une fois par an.
Some just do it Et, monthly ou within the chaque year, but mois, they encourage peut-être, you to invest essayer and to de close your savings s'adresser et as needed. voir les intéressés et les There was besoins. also some feedback. Some Aussi, il y countries a du as we feedback. Certains developed our pays product, ont they were développé never des plans d'action, mais ils n'ont approved jamais été by the approuvés ministers. And par les that is one of our ministères. Et là, c'est challenges. un But these défi. Nous stakeholders avons besoin que collectively les can intéressés, buy que le into our gouvernement business vraiment collectively to help the participe other provinces positivement that are et also soit même taking partie du on the développement, mais aussi ont implementation. une We appropriation need pour la mise financing en to œuvre. Et highlight nous avons our besoin de financement. C'est une des So plus as grands, un des I'm plus grands looking trous. like planning the Je regarde la 2025 planification pour for l'année the different. prochaine, I also pour ask our countries l'évaluation their de objectives and how they want to préparation. work Nous going forward. demandons comment We nous allons consider faire à what l'avenir. kind of work we should Et stay la with the firm tendance est to de ensure we have maintenir the same plans for revenue so l'approche that establishes actuelle. comparability Et comme to ça, nous pouvons costing comparer forecast les données and maybe et make some voir, improvements faire knowing that we suivre can le progrès et continue to peut-être improve. raffiner certains éléments One of sur the goals l'engagement for this des year is to stakeholders et increase ultimement the firm appropriation by de ces stakeholders plans de and then part des financing intéressés. via our Et le accounts and financement, il faut maintaining comprendre comment funding nous interest allons and prendre keeping du our liquidity financement balance. dans les So plans we're asking you to be annuels able de to understand budget. that other stakeholders may be looking Pour to d'autres buy their own intéressés, il faut 2025 inspirer que tout le and monde those peut dollars stay contribuer locally à cette invested. mise en œuvre des activités de Excellent. Thank you so préparation much, pour Hugo. I think l'urgence. these were Merci. very amazing C'était insights, and I think that a lot of countries can absorb informations très your intéressantes et les opinion. pays peuvent Very apprendre exciting beaucoup de picture that votre we're seeing régence. all C'est around of intéressant the de strength savoir of qu'il y the a firm, encore une and ronde de from here we will messages. look forward to Et seeing these nous sommes results contents and de then voir, nous serons future contents de voir ces discussions for résultats et next year. Thank you d'apprendre so much, encore Una, for plus. this insight. Merci And beaucoup pour ces let's now insights. move. I would like to Nous, invite maintenant, je veux Professor Michael inviter le Bailey, docteur Michael who has Ebele, experience in East and et qui a South beaucoup Africa. d'expérience en So Afrique Michael is a public health de officer, l'Est. a C'est un business expert en and santé advocate with publique significant et aussi un experience in advocate global avec and expérience en humanitarian santé aid and globale advocacy. et en And he préparation, is beaucoup currently d'interventions de portfolio préparation à engineering as urgence. Il regional travaille scenario comme advisor at the advisor Strategic Council régional Worldwide. He humanitarien works et closely with other team members il and travaille avec experts d'autres across membres de 25 l'équipe pour countries appuyer across the humanitarian vingt-trois assistance pays pour sector, renforcer la sectors such as préparation cancer, humanitaire gender pour la santé equality, reproductive interfaith et les conflicts, climate grossesses change, non and voulues issues of dans le IVF. contexte de climate change et des So, épidémies. Michael, your region Michael, has votre today région, en 25 fait, countries qui a focused on vingt-trois immunization, pays, si je ne me conducted trompe pas, mixed a regional fait assessments, starting with the Risk Commission Assessment in comme 2020 initiative régionale année in 2022. 2022. So, C'est vrai? can you share Est-ce this with que us? vous What is pouvez the partager picture avec for the first nous, time c'est la for première fois, sub-Saharan pour African region to cette also région cover d'Afrique regional comme initiatives? un tout, comme So, would initiative you share with régionale? us what are Est-ce que the vous main pourrez regions partager quels ont currently été part of this les assessment? résultats What are the improvements principaux que of vous avez eus health et le savings readiness in your assessment region que as vous we avez fait dans continue to votre improve région? Est-ce que ça a governance and contribué standards, which is à critical comprendre for mieux le impact rôle survey, critique but also getting some buy-in from the de broader sector différentes agences stakeholders? If you could share et that de with us. différents intéressés, ce qu'ils ont participé, ce qu'ils ont Yes, thank you, approprié Mr. Green, l'idée. and thank you, Merci colleagues, for Nesrine having et me this merci mes afternoon. collègues pour. I've already been introduced by Ms. On m'a Green. déjà So maybe I'll présenté. just give a brief background Je as vais vous to donner un how peu we conduct the management of d'informations assessment in the East and South d'antécédents Africa region. sur comment nous As avons you're préparé aware, cette the évaluation region has dans notre increased in région. La ambition in recent région, years, and our configuration quant consists à of 53 configuration countries, à 23 pays, right from Ethiopia all the way down to South Africa. Éthiopie jusqu'à sur So we Afrique du are Sud, prompted by nous avons conflict, des climate impacts change, des disaster conflicts, de threats, climate of course, we change, also not spared by des the cost of épidémies the et pandemic. aussi la And pandémie, naturellement. Et what is unique ce also qui is that est we have a spécial là, number of c'est que nous factions, avons quite factions plusieurs in the pays region, especially the conflict qui sont factions en that hit the conflit, country. et There il are y a des constraints conflits shaping, but also that there is a huge durables remix là, of mais il lower y middle a un income countries, mélange upper de middle income pays, countries, lower middle income et many upper of the middle other income, countries that are un having peu a lot pauvres of et un peu resources. So riches, the les health pays qui sont issues en and constraints are développement. quite different Alors, across the region. So we les équipes thought sont très that having appréciées dans la approximate région. numbers would be really Nous important avons for us travaillé to look et into how c'était ready we important are pour to nous deliver de the minimum regarder notre zone package pour développer we le imagine minimum fits into the dans les country or the urgences. Et il y country a in the des region. urgences qui affectent tous les So pays. we did that in Et nous avons fait 2022 ça and en we're able to 2022 cover et 23 nous avons countries. vu 23 pays. So
I think the most Et je crois que immediate benefit that we've le seen bénéfice le plus is immédiat the que better nous avons understanding vu, of the impact c'est of all these mieux crises, comprendre l'impact des all crises, these hazards de tous ces dangers, delivery of the minimum initial service package or et necessary pouvoir contraception and reproductive health livrer before les deployment paquets planning, d'urgence and on the à understanding planning of familial, importance of ensuring safety and comprendre continuity of these la services even when continuité, economic l'importance de la disruption or continuité, même much quand of il y a the des emergency conflicts. disrupt services, but Il y a this beaucoup infrastructure d'interruptions de can services disrupt quand il y a une urgence, mais c'est the important de continuity of these continuer à services. s'adresser Perhaps à la we'll be able to continuité des fix services pour pouvoir protéger some of the les situations we avances have que nous like avons faites dans the certains rate of indicateurs autonomous in the countries. dans les So pays. that has really come out as Alors, an increased understanding, and that is ça c'est evident ce que nous avons today appris. if you went Et to the aujourd'hui, si vous allez à la coordination plupart des platforms, plateformes human-to-human de coordination coordination platforms geographically in humanitaire the region, dans la région, when you speak about quand sexual vous reproductive parlez health and services, it's not something that people are looking after santé here in modern réproductive emergency dans services. So les for us, urgences, les gens ne a savent major pas encore ce shift que c'est. that Alors, took c'est un place. changement de médias. And the other one, there has been a progressive shift at the Il y a policy institutional un level across the changement au countries niveau politique et in terms of the stratégique dans les pays integration of quant à l'intégration sexual reproductive health de la in santé family planning reproductive into the sexuelle et health le planning equity and familial response dans les plans de préparation de policies, réponse frameworks, aux also urgences dans les crises in politiques, terms of mais health. aussi des And this was appels not the case before. au moment des Before, crises. when the Ça ne se crises donnait were pas avant present, quand la was crise the focus frappait was usually on et la population more était immediate what to say. Then there immédiatement have come stable interventions around food et il y a eu security, des interventions pour sauver la sanitation, vie de l'eau communicable immunity. But we have seen des that maladies. quite Ça, different c'était drivers. la première ligne, mais maintenant If c'est you look in différent. some of the Si countries, vous and perhaps regardez some dans of the countries have gone steps further, for certains example, in pays, Kenya today, à the Kenya discussions are aujourd'hui, actually on discute around the development of a national le guideline développement of MISP, d'une Kenya Health orientation de Guideline of MISP, MISP kenyan. as a poly one of the Ils veulent une political politique pillars, one of the guidelines for the nationale pour Ministry MISP of Health. comme dans le If you ministère de la Santé. in Zambia À Zambia, addressing the recent ils drought, sont en train de again, you regarder will maintenant find SRH and TBV that I spoke about SRH et in Zambia, TBV just sont upon the drought connectés response plans that dans les we plans talk de about there. réponse que If you nous went discutons là. in Uganda, some of the À districts in Uganda, Uganda, we have certains actually districts at à national level Uganda have actually integrated ont this déjà into their intégré ça district development dans leur plans, plan de such that they could développement du quickly tap district into that et peuvent vraiment already developing profiter annual de plans. ça Usually quand ils something font leur plan annuel. in terms of C'est just the quelque chose response and que, preparedness quant à la plans, réponse à la usually préparation aux around urgences, sexual ils reproductive ont health déjà and aussi time inclus les management. thèmes de reproduction sexuelle Of et course, we have also process noted those et planning benefits familial. issues we have been Une des noting choses que approaches and reviews nous avons because fait many of the après crises that happen in the region take on les révisions, c'est multiple regarde perspectives. les crises dans la If you look région, at the une cyclones perspective multi-pays. Il y a des in ocean drift, they normally cyclones affect a range of dans countries. l'océan Intertidal Indien, ça droughts affecte beaucoup de affect many pays. Si countries. vous regardez d'autres So it has given phénomènes de us an climat, opportunity alors ça nous donne une to opportunité evaluate how the response d'évaluer has been. comment So we have been est-ce que seeing a that été in la some of the réponse. Nous countries, avons there des has been an améliorations opportunity for us significatives quant in au terms of temps the de réponse, availability, supply, quant à la accuracy of response, disponibilité, quickly. disponibilité des After ressources the MISP au moment des readiness crises. assessment, Après we propose that in l'évaluation terms of MISP, the chacun MISP de ces readiness pays action plan, which a un actually plan informs d'action the MISP qui development a informé aussi of le the développement disaster de la response plans plupart for those des specific plans de countries came réponse about. So nationaux. we've seen Alors nous avons progressive vu improvement in terms une of amélioration effectiveness progressive and timeliness quant in à evaluation. We have l'effectivité also et le seen temps, la again rapidité de la under the réponse. MISP Et assessment, we had some MISP discussions present around how cities like assessment, il y a comprehensive des abortion problèmes care. des abortion. Of course, we know L'abortion, that là, nous the connaissons legal framework in the que country is quite different. dans So we certains had pays, discussions around that. So we had that il y a une discussion différence à ce whether sujet. the legal Dans framework certains was pays okay for us to engage in those plus discussions. libéral, But là, nous seeing pouvons that discuter it's ça, something that they have quickly mais picked up and ils ont recognized pris that ça as an rapidement, urgent ils ont compris opportunity for us rapidement to que c'est bring in policies important. on Les maternal health. abortions, c'est un And problème pour les the morts other also is maternelles, naturellement. we have seen Et an increased allocation un of autre phénomène, nous avons eventually une funds that allocation towards de SRH and financement SRH services. pour ces If you look at services. the Si allocations and vous the voyez staff les allocations, distributions the de countries receiving personnel gold fund dans les allocation, but pays, also et allocated nous by regardez aussi some of les the invalidated distributions des situations États membres. themselves. We have seen an increasing Pour la allocation réponse, il towards y a toujours sexual plus reproductive de health ressources pour la as the santé result of réproductive some of these sexuelle. discussions
Et c'est une partie des discussions que nous avons eues à Winston Paper Association. C'est un procès qui prend le gouvernement, les partenaires et dans plusieurs endroits aussi les communautés affectées elles-mêmes. Je me détiens là. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes qui se sont données et qui sont issues du Miss Assessment dans votre région. Et je crois que un des éléments intéressants, c'est la politique, là où nous avons vu que beaucoup de pays ont intégré ou sont en train d'intégrer maintenant les politiques dans leurs plans généraux. Je crois que c'est très important. Je sais que vous êtes en train de continuer ce travail. Maintenant, nous sommes en post-MIS assessment. Alors, je voulais savoir un peu plus comment est-ce que vous profitez de ces résultats que vous avez déjà eus pour continuer à travailler là-dessus. Est-ce que vous voyez des défis très importants qui restent dans votre région? Quant à l'avenir de ce travail, nous avons décidé de profiter de certaines, comme j'ai mentionné, certains des défis sont vraiment un pays, affectent plusieurs pays à des instances où c'est une région complète qui fait un appel. Par exemple, récemment, en Afrique du Sud, la communauté de développement a lancé un appel comme région pour une réponse à une crise. Nous avons pu travailler avec les gouvernements et les partenaires à MISPA Assessment et les discussions sur la mise en œuvre des plans d'action. Nous avons pu contribuer activement à développer ce appel régional sous la leadership d'une entité économique régionale et ça nous a aidé à amplifier cette voix envers les donnants et aussi les membres. Quand les États membres développent un appel, c'est important. Eux doivent donner et montrer leur contribution devant les donnants. Et les donnants, ils revenaient, ils demandaient qu'est-ce qu'on a vraiment donné les États pour la sexual reproductive health et ce qu'ils étaient en train d'investir des ressources là. Et nous avons aussi, comme résultat de ça, nous avons vu que la région est trop large quant à la construction de capacités des proviseurs de services que nous entraînons pour pouvoir livrer capacity building. Les pays ont besoin de plus de trainers et la disponibilité des trainers dans un pays. Les trainers vont d'un pays à un autre pays pour appuyer l'autre pays. Dans les deux semaines, nous avons des trainers de Kenya qui ont été à Lesotho pour appuyer Lesotho pour développer leur capacité. C'est aussi une façon de construire capacité, c'est coopérer et échanger meilleures pratiques. Comme résultat du MISP Readiness Assessment, ça a été avoir une discussion sur la disponibilité des ressources. Les ressources, c'est un défi énorme, les supplies. Et nous avons discuté sur le prépositionnement de ressources il y a longtemps. Toutes les agences et toutes les unités, mais aussi les États membres et les pays qui... spécialement les pays qui ont des désastres comme des cyclones et des inondations. Alors, prépositionnement. Alors, il y a le cas maintenant pour dans les pre-positioning schemes, comment nous assurer que les ressources sont disponibles et que nos ressources sont une partie des commodités essentielles qui vont être mises en place niveau régional, niveau pays, et de par les gouvernements ou les agences elles-mêmes, et les agences UN, ONU ou la NGO eux-mêmes, aussi les systèmes de santé locaux qui peuvent aussi s'approvisionner et être sûrs d'avoir un prépositionnement pour les urgences. Quant aux défis, avant les défis, je veux dire une chose, une autre zone que nous avons trouvée
C'est que les États membres, ils ont des stratégies pour réduire les désastres. Ils ont beaucoup de plans pour réduire les risques de désastres et beaucoup de stratégies. Et nous avons vu les pays qui font une révision de leur stratégie de réduction de risques. Et nous avons participé dans ces procès et nous pouvons les influencer, être sûrs que les systèmes, les thèmes HRH et les stratégies pour production et pour réponse et aussi et, influencer les lois sur reproduction aussi et nous concentrer spécialement sur changement de climat et protection contre ça et réponse au climat. Quant aux défis, comme Luna a dit, il y a des défis et différents niveaux de recueillir les données. Sans données, c'est difficile de travailler. C'est là que nous travaillons en urgence pour appuyer les pays, pour être sûr d'améliorer le rassemblement des données. Et il y a des différents niveaux de participation, spécialement de part des gouvernements. Dans certains pays, il y a une participation subnationale. Ça ne se prend pas parce que les désastres impactent les gens au niveau subnational. Alors là, ils ont plus d'intérêt au niveau régional ou local. Mais les ressources sont distribuées au niveau central. Connecter ces deux procès, c'est un défi que nous avons dans certains pays. Et il y a de l'intérêt de voir l'impact, mais après, les mécanismes de distribution doivent être connectés avec les ressources. Et il faut continuer à travailler sur le maniement des ressources. Merci, Michael. Je crois que c'est tous des points importants. Et identifier le moment d'entrée, le right entry point, c'est vraiment clé. Nous avons vu que vous avez pu vous approcher aux autorités et aussi voir climate change et des éléments comme ça. Je crois qu'on pourrait discuter ça longuement, mais je vous remercie beaucoup de nous voir, certains de vos idées, de vos compréhensions. C'est un élément clé, je crois, et j'espère que nous pourrons voir ça plus à l'avenir. Merci pour partager tout ça, Mathieu. Et je passe maintenant à notre dernier panéliste. Je suis heureuse de donner la bienvenue à Dr. Mathieu Onoja. J'espère que j'ai bien dit votre nom, monsieur. Je vous connais, Dr. Mathieu. Je sais que vous êtes un analyste humanitaire en Nigeria. Vous avez contribué à assurer le développement des HRS et des interventions pour les individus au nord-est, une réponse du humanitaire au nord-est. C'est un spécialiste en humanitaire et développement, expérience avec le paquet complet de sexual reproductive health and rights et prévention de maladies. Je vous remercie énormément d'être présent. Je sais que vous êtes très occupé. En Nigérie, vous avez fait Miscarriage Assessment l'année passée. Racontez-nous, si vous voulez bien, quels ont été les achievements, qu'est-ce que étaient les résultats positifs principaux? Est-ce que ça a contribué à améliorer la compréhension du gouvernement du rôle de FPHRH et SRH et comprendre un peu que si les intéressés se sont en effet intéressés? Je vous remercie, Nazrine. Bonjour, bon après-midi à tous du webinaire. Je suis heureux de faire partie de ça. En effet, pour vous répondre, nous avons fait Miss Residence Assessment en 2023. Une des achievements, un des résultats positifs les plus importants était que c'était la première évaluation compréhensive de SRH pour, qui a identifié les trous dans des endroits clés assez compréhensifs, qui a regardé par les politiques, environnement, ressources humaines, disponibilité, storage supplies et aussi les données. Et pour nous, ça a été une réussite
clé et nous avons vu que le niveau d'intérêt issu de cette réunion de validation. Cette évaluation a aussi montré une compréhension, une conscience de haut niveau au paquet lui-même et la nécessité d'un cadre pour implémentation, pour mise en œuvre nationale qu'il fallait établir. Dans MRA, nous avons compris que même que Nigeria implémente, met en œuvre, la mise en œuvre était meilleure que la réponse humanitaire. Nous savons aussi que même il y a beaucoup d'endroits de Nigérie qui ont des difficultés avec des urgences humanitaires, des désastres, des problèmes communautaires, des conflits et aussi des bandits. Et nous avons aussi des conflits tribaux, je crois, en Nigérie. Je crois qu'il y a la présence MISP sera utile pour l'implémentation. Tout le monde a cru ça, mais on a dû faire le MRA pour avoir un cadre clair que c'était en général au nord-est du pays qu'il fallait agir. Je mentionne aussi qu'il y a d'autres discussions et pour forger des nouveaux partenariats dans des endroits où les discussions peuvent se donner pour vraiment mettre en œuvre les recommandations. Par exemple, SRH en Nigérie, c'est important. Du résultat, j'ai été motivé pour commencer à discuter avec le ministère de Santé pour voir comment renforcer le ministère pour livrer les compromis de SRH. Ça a été utile pour convaincre le ministère et aussi améliorer le rôle de FP et Reproductive Health et leur participation. Oui, le MIR est une façon d'initier cette discussion. Cette discussion a été dirigée par le directeur de santé reproductive dans le ministère fédéral de santé et aussi un représentatif avait déjà eu fait une réunion avec lui avant l'évaluation et a présenté, a compris la nécessité de participation de part du ministère. Il s'est assuré qu'ils ont fait partie de toutes les discussions et ils ont été même les leaders dans les discussions. Et ils ont une représentation du ministère de Santé de haut niveau. Et la réunion a aussi d'autres participants, des agences du gouvernement, niveau fédéral, niveau État, et aussi il y avait des NGOs, et très utiles, et ils ont été disponibles pour s'adresser aux troupes. Et nous avons vu aussi, quant à la compréhension du gouvernement, que les ressources ont été libérées. Et certains gouvernements d'État ont contribué des fonds pour les commodités FP. Adamawa et Sokoto, ces deux États ont participé. Et d'autres territoires. Alors, dans cet État, ils ont fait des actions pour s'approvisionner. Et nous avons compris qu'il fallait regarder ça et contribuer à l'achat local de certains outils de base pour les désastres. Et il y a des discussions en cours dans d'autres États à cet égard qui ont été stimulées par cette réunion. Merci, Dr. Matthew. Je crois que c'est très intéressant de voir comment en Nigérie,
It helps the process Ça a as well, été un pro, because ça a you aidé can't le only procès et or ça get a créé traction des nouveaux actually from the partenariats ou a different stimulé governments et or a fait organizations la so that either funding or participation intellectual pour time avoir plus de activities ressources, plus de in temps, an plus ensuring that d'activités de access part or de internet différentes agences connections et are niveaux de provided. gouvernement So pour you know aider à ces that in réponses. Nigeria you En recently Nigérie, vous implemented a avez process as récemment well. mis en œuvre And I une think you might réponse also be pour partially inondation et je crois involved que in vous êtes COP. encore en So I cours. was wondering, even though the Miss Readiness Assessment is Quoique le very Miss recent, Readiness Assessment est très so récent, much of the est-ce que le MRA helped résultat de respond in l'MRA vous a Nigeria? aidé à In répondre Nigeria, plus can you say that efficacement it de votre has a positive expérience? Est-ce que vous impact on the pensez que response ça a that eu has been un made now impact recently? sur la réponse que vous avez eu besoin de faire maintenant avec les Yeah, thank you, inondations? Nesrine. That's Merci, Miss a Rin. very important question, C'est une especially as question you said. très importante The parce flood que, comme vous le dites, l'inondation en Nigérie, was recent in Nigeria, and the response is still c'est, on. la réponse est en Yes, cours. En MRA effet, actually MRA, contributed oui, en effet, a in a way contribué dans un certain sens assisting the flood à response, assister la especially réponse à for those l'inondation, cities, spécialement dans which is the certains États epicenter of the où c'est Boko Borno, où c'est Haram l'épicentre in des Nigeria. problèmes en Then I Nigérie. think for the flood, Mais je what crois really que helped quant à the process l'inondation, of ce que Borno nous a to be the best vraiment a was the appuyé existence l'état of de the Borno le Pre-Existing plus, c'était l'existence Humanitarian du Response Plan, which already had Humanitarian Response Plan, coordinated qui avait SRH déjà support un pattern, SRH, coordination already operating in SRH, clusters, était déjà là, opérait relationship with déjà state dans governments. certains endroits avec une collaboration des agences de l'État. We have an ongoing Mais de toute partnership to façon, nous gather avons collective support for the implementation of the un appui recommendations from collectif the pour MRA, implémenter which les was conducted in 2023 and appuyer commissioned. l'implémentation de And ce so, in MRA fait essence en of the 23. response plan, Alors, le plan de and then réponse, having done a recent MRA mais on doit that refaire un we are still MRA looking for et opportunity to maintenant on implement cherche it. We l'opportunité have these tools to align d'implémentation. this Nous together avons to help us move faster. ces outils pour Then, nous we aider also understand à aller important plus points vite, mais il that faut comprendre Nigeria les should have a key limitations. En context Nigérie, that la would give limitation you principale, more information on why it c'est needs ce to qui vous rise donne to the d'informations first sur move. pourquoi il faut Nigeria monter operates ça sur une with a autre federal chose. La system of Nigérie government a un with système eight-tier governance fédéral system that et de separates gouvernance. the state C'est and the local fédéral, c'est government. État et c'est local. Il y a trois This niveaux. structure was Cette intended to structure enhance a eu l'intention adequacy, d'améliorer equitable le development. travail local However, in pour un reality, développement this isn't juste. the case. Mais en réalité, Since ça ne being se donne pas prioritized comme by the ça. federal Les government problèmes qui sont prioritisés par are le not gouvernement necessarily central binding on the passent, state ne and sont local pas governments, as we also obligatoires ni have pour l'État ni autonomous pour les gouvernements territorial locaux qui priorities. ont leur These have autonomie made pour it necessary déterminer leurs for us priorités. to now Ça a rendu combine at nécessaire state que level nous and avons cabinet level to au niveau adequately État, au finance niveau local, nous transition avons to besoin d'avoir une industrialized prime participation and tertiaire sectors compromettante pour and nous assurer à recovery qui fund participe provided à that ces niveaux opportunity et and that une was réponse aux we're able to opportunités. ride on it Nous avons necessarily pu over time. profiter And de some ça of the et issues were certains now des integrated problèmes into ont the été intégrés flood response maintenant plan dans les and plans de réponse delivered en général to Borno State. et Borno State à itself Borno State. do not Dans have a flood d'autres response États, ils plan n'ont pas encore un already. So plan de that réponse et for là, them, nous avons vu que pour eux, sometimes even when there is a flood like that, the response quand, même quand often il y a une has partial inondation, la capacity réponse to n'est Borno pas State. aussi grande que And dans when we d'autres have États. that, we may Et, have mais quand nous avons un plan de avoidable réponse, casualties. nous avons Before des morts authority or government takes the lead in avant que le recovering these gouvernement areas. commence vraiment à We travailler also have, là-dessus. for instance, Nous avons aussi states that are better off des in the États flood qui response. sont plus riches They pour created répondre et those qui ont. camps early, and SRH partners were able Et to là, les intervene at that partenaires ont time. pu travailler plus. Yeah, thank you very much. It was Merci, lovely merci to beaucoup. hear from C'est that intéressant experience now and to d'avoir see that l'information de cette actually the Miss expérience et voir Readiness que, Assessment, at en least fait, le even Miss if the results Readiness Assessment, going directly are difficult to see et now, I même think que les résultats soient interesting to see difficiles à that it's voir actually maintenant, created c'est intéressant more de traction comprendre que ça around crée un peu plus de SRH. dynamique Conscious autour of de time, SRH. Je we suis do conscient du temps. very Est-ce que vous quickly get back to pouvez you. How rapidement nous are raconter things comment trending in Nigeria est-ce que specifically and quelle est la going forward even planification in the en next quarter? Nigérie How pour are the primary avancer ministers and governments MRA? going to take this action Comment est-ce que and vous allez implement it? prendre
l'avenir de ce plan d'action? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Nous avons structuré le plan d'action dans divers niveaux, P1 à P4. Nous avons beaucoup de concentration à P1. P1, c'est plus haute priorité, et P4, la moindre priorité. Et nous travaillons avec les problèmes P1, construction de capacité, SRH, mettre les ressources en place, avoir les achats et aussi avoir des participations pour être leader dans ces zones de politique et de mise en œuvre. Et aussi, il faut la priorité et c'est intervention est importante pour MIT. Nous avons vu aussi que nous sommes en train de profiter de SRH qui existe déjà dans le Nord. Ça a déjà été introduit. Ils ont bien aimé et ils sont en train de travailler pour s'assurer qu'ils ont l'appui pour la mise en œuvre. Et aussi, ils donnent une priorité dans leurs propres interventions du gouvernement. Alors, ça, c'est les résultats et les compromis que nous avons pu voir comme résultat d'avoir fait ce risk assessment. Merci. Je crois que l'appropriation, le ownership, c'est un élément très important. Nous avons seulement quelques minutes qui nous restent dans le webinaire avant d'écouter rapidement des remarques de fermeture. Je veux vous remercier à tous, à Una, à Matthew, à Michael pour votre temps et pour toute cette très valable information que vous avez partagée avec nous, à tous les participants. N'hésitez pas, nous n'avons pas le temps de Q&A, mais vous pouvez toujours nous envoyer des questions, nous ferons la suivi. Je vous remercie à tous énormément de votre information et je donne à Ashley Wolverton, qui est Deputy Project Director pour FPA et Reproductive Health et ProPALADAPT, pour des remarques de fermeture. Je ne vous donne pas trop de temps, je regrette. Ça n'a pas d'importance, ça va fonctionner. Merci à Nesrine et à tous les panélistes de part de ProPALADAPT. Je veux remercier FP2030 et le Health Resilience pour être partenaire avec nous dans cette série de webinars. Comme ils ont mentionné au début, c'est une partie d'une série de webinars que nous allons faire cette année pour un leader par la conférence internationale sur planning familial et regardant les différentes dimensions sur la santé reproductive et sur la préparation et la réponse aux urgences. Et nous avons déjà regardé les compromis pour FP2030 et comment les priorités de préparation et réponse et urgence dans beaucoup de pays. C'est déjà, les pays sont déjà un compromis pour FP. Maintenant, nous regardons le readiness assessment, comment est-ce que c'est des outils vraiment puissants pour faire la planification et pour l'action et pour construire l'appui du gouvernement pour SRH Preparedness. Nous allons faire une troisième série au début de l'année prochaine pour voir les ressources mutuelles que les pays et les organisations peuvent employer pour appuyer Preparedness, préparation et réponse de SRH. Il y aura de l'information et comme j'ai mentionné, toutes les organisations présente toutes les trois qui ont été les sponsors du webinar auront des enregistrements de ça et du webinar précédent et vous pouvez nous contacter pour des questions additionnelles ou des clarifications sur ce que vous avez appris bien aujourd'hui ou aux antérieurs, aux précédents. Et je remercie de nouveau à nos excellents panélistes et on vous verra la prochaine fois. Merci à tous. Thank you. Merci.